Salut YouTube, je voulais juste vous faire une petite vidéo. L'autre jour j'ai vu une vidéo de Colline et en fait ça m'a vraiment inspirée pour faire à mon tour ce genre de vidéo. Je suis désolée, je suis en train de cuisiner donc si vous entendez les merguez frire dans la poêle c'est normal. Ouais, parce que du coup, en fait, Colline, elle parlait des retouches et de cette impression qu'on peut donner en tant que youtubeur, en tant qu'instagrammeur, en tant que personne qui est publique sur les réseaux et d'autant plus moi en tant que modèle. Cette espèce d'impression de perfection, alors que, mon Dieu, mais loin de là, quoi. Et du coup, on peut créer des espèces de complexes aux gens en donnant voilà, cette impression qu'on est des personnes parfaites, qu'on a une peau parfaite, qu'on n'a pas de vergeture, pas de cellulite, ce genre de choses. Et encore une fois, bah voilà, c'est pas la vérité. Donc je vais juste faire cette vidéo pour vous montrer que ben moi aussi j'ai 29 ans et j'ai de l'acné. Et c'est pas aussi terrible que certaines personnes. Mais vous voyez, j'ai ce genre de gros boutons. Des petits ici aussi. Mais voilà, ce genre de truc quoi. Et ma peau est loin d'être parfaite. Et c'est normal en fait. Genre, ma peau, elle vit. C'est un organe vivant. Et elle est influencée par des tas de choses. Elle est influencée par ben déjà mon type de peau. J'ai une peau grasse de base. Et puis ben, par la pollution, par les choses qu'on peut manger, par plein de choses en fait. Et c'est normal. Et je connais pas grand monde qui a vraiment une peau parfaite, qui n'a pas de pores, qui n'a pas de boutons, qui n'a pas de gras sur la peau en fin de journée. Qui n'a pas de rides, de rides d'expression, ce genre de choses, c'est genre tout bonnement en fait. Non, une peau c'est normal, une peau ça. Enfin, je sais pas, quand tu fronces les yeux, ben forcément tu commences à avoir des rides ici, t'as des rides d'expression, t'as. Voilà, une peau c'est un organe qui est vivant et en fait, ben, on a la peau qu'on a et c'est pas grave et c'est pas sale Et ouais, je me sens moins à l'aise de sortir sans maquillage quand j'ai des boutons parce que socialement, en fait, on t'apprend que c'est pas beau, on t'apprend que c'est dégoûtant, on t'apprend que c'est sale, on t'apprend que une jolie peau, ça a pas de boutons. Ça a même pas de pores, une jolie peau, hein. Voilà, Photoshop, tout ça, et du coup, on a une peau qui a pas de pores. Ben non, en fait. Et j'ai la chance de pas avoir beaucoup de cernes. C'est voilà, c'est pas grand-chose, mais à côté de ça, bon bah voilà, c'est genre là, là, j'en ai un là, j'en ai un là, et bah du coup, mon plus gros qui est là, et j'ai une tache sur la dent, et bah ouais, bah c'est comme ça en fait, et je suis juste comme ça, et c'est juste moi, et tant pis en fait, mais. C'est pour ça que moi j'ai commencé sur mon Instagram, pour celles et ceux qui me suivent sur AzazelGH, à mettre des mentions sous mes photos de modèles, qui sont donc des photos retouchées par les photographes, à mettre une mention photo retouchée. Ma vraie peau n'est pas comme ça, mon vrai corps n'est pas comme ça. Mon vrai corps, il a de la cellulite, il a des vergetures. Et c'est mon corps en fait. Et il est comme ça. Et j'ai pas honte. Et il faut pas avoir honte en fait. Ton corps il est comme il est. Et ouais, ben si t'as grandi trop vite, tu vas avoir des vergetures. Si t'as grossi trop vite, tu vas avoir des vergetures. Si t'as maigri trop vite, tu vas avoir des vergetures. Si t'as eu un enfant, tu peux avoir des vergetures. C'est des choses qui sont normales. Et on devrait pas avoir honte de se montrer comme on est en fait. Et Instagram, tout ça, Facebook, ça. Peut donner l'impression aux gens qu'on est des personnes parfaites, mais loin de là. Et la perfection n'existe pas. Et la perfection,
n'est pas de ce monde en fait. Et voilà. C'était une vidéo totalement inutile. Mais voilà, je sais pas, je ressentais le besoin aussi de me montrer sans artifice, dit-elle, avec des extensions dans les cheveux, mais du moins sans artifice au niveau du visage et me montrer comme je suis. Et mes boutons, en fait, me rendent pas moins belle. Et voilà, en fait. Ça me rend juste humaine. Et voilà. Et au final, j'aurais jamais pensé de ma vie faire une vidéo YouTube sans du tout avoir de maquillage. Et quand je me vois comme ça, je me dis, c'est pas mal. Donc voilà. J'espère que cette toute petite micro vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et n'hésitez pas à aller dans les commentaires aussi. Et à discuter si vous avez besoin de discuter de certaines choses. Et voilà. Bon, moi je vais y aller parce que mes merguez, elles vont cramer là. Salut!